table. Toutes et à tous, je vais effectivement intervenir en tant que présidente d'Actis devant vous. Je pense que les enjeux sont assez clairs. Il s'agit de se déterminer sur l'avenir que nous voulons donner à Actis. Il y a aussi une autre dimension, qui est une dimension financière, du sérieux de la fixation de l'avenir d'Actis dépend 8 millions d'euros de titres participatifs. Nous sommes donc en attente d'un chemin clair pour pouvoir effectivement bénéficier de ces prêts particuliers qui correspondent à 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, évidemment, pour Actis, ça n'est pas une paille. On va dire qu'en gros, l'investissement annuel de ce bailleur est d'environ 12 millions d'euros. Je dis cela pour vous donner une idée de ce que cela peut représenter pour Actis. Je voudrais d'abord, si vous m'y autorisez, faire deux grands types de commentaires sur la note, puisqu'il s'agit d'une note d'information. Et qu'évidemment, je peux comprendre, au vu de tous les travaux que nous avons à réaliser, les uns et les autres, que nous n'ayons pas une vision, chacun et chacune, hyper fine de cette affaire. Donc, je m'autorise deux types de commentaires. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, le contexte, et Nicolas Béron-Pérez l'a évoqué, c'est qu'aujourd'hui, le contexte du logement public à vocation sociale n'est pas un contexte technique, mais il est bien un contexte politique. Dans ce contexte politique, la première remarque que l'on peut partager, c'est que globalement, les bailleurs sont soumis à une situation d'asphyxie financière. L'exemple le plus emblématique, si je puis dire, c'est la réduction de loyer de solidarité. Réduction de loyer de solidarité, ça commence plutôt bien. Solidarité, réduction de loyer, on se dit chic. Sauf que dans les faits, ça n'est pas tout à fait de cette façon-là que ça se passe et que cette affaire de RLS est directement répercutée, assumée, portée par les bailleurs eux-mêmes. Ainsi, Actis consacre 3,6 millions d'euros à cette affaire de réduction de loyer de solidarité. Si j'avance d'un petit cran, ainsi nous serons collectivement encore mieux informés de ce qu'est Actis, 85% de ces recettes sont les loyers des locataires. Donc autant vous dire que finalement, cette affaire de réduction de loyer de solidarité non seulement pose évidemment des problèmes financiers majeur aux bailleurs, 3,6 millions d'euros, c'est quand même pas rien là aussi, mais finalement, cette solidarité est organisée entre les locataires qui sont, de surcroît, vous l'avez compris, plutôt les moins fortunés parmi nous. Donc, une logique d'asphyxie des bailleurs, particulièrement des offices, parce qu'ils ont une structure de recettes globalement à l'image d'Actis, c'est-à-dire à l'essentiel fondée sur les loyers des locataires. J'insiste un peu, vous comprenez bien pourquoi. Cette affaire et cette logique accélèrent la financiarisation du logement. On fait partie non seulement de nos missions, mais plutôt de nos devoirs. Bon, je ne vous fais pas l'article sur l'ensemble des dispositifs fiscaux. Tout ça fait signe vers la même logique, des logiques de financiarisation, de marchandisation, parce qu'après tout, le logement n'est pas bien commun, mais une marchandise comme une autre sur laquelle on peut spéculer. Ça, c'est la première remarque que je veux faire sur la nature de la note. Le contexte n'est pas technique, il est bel et bien politique. Le deuxième élément que j'ai envie de vous dire, fort simplement, c'est pourquoi une présentation si négative, allez, j'emploie cet adjectif, de la SAC. Une SAC, une société de coopération, c'est un espace de coopération dont le niveau de coopération est fixé par les organismes eux-mêmes. Nulle tête sur le bio, surtout pas la mienne, encore moins celle de Nicolas Béron-Pérez. Bien évidemment, chacun garde ses instances de pilotage, bureau, conseil d'administration, si l'on parle d'Actis. Chacun conserve son patrimoine pour, bien sûr, donner un exemple tout à fait emblématique. Cela n'empêche en rien, par exemple, de grouper des achats, de faire des économies. Cela n'empêche en rien d'avoir des stratégies patrimoniales qui soient partagées. Et cette affaire-là, elle est très importante. Elle est très importante avec laquelle on veut coopérer. En un mot, une SAC n'exerce pas une fonction de contrôle les uns à l'égard des autres, mais plutôt une fonction d'alerte.
Et ce qui est présenté dans la note en tant que telle, moi je comprends que l'on regarde de réaliser telle ou telle construction. Le plus simple, c'est peut-être d'aller sur le site de la Fédération des offices publics, 11 questions pour bien comprendre une SAC, et vous allez voir, c'est d'une clarté absolument limpide. Si je dis ça aussi, c'est parce que je voudrais que nous indiquions un chemin positif à Actis en tant qu'entreprise. Où en sommes-nous ? L'engagement qui avait été pris collectivement de faire une SAC d'abord d'attente et ensuite de se donner le temps pour construire un outil innovant, comme l'on dit parfois, de construction, de nouvelles formes d'habiter, de rénovation, d'organisation particulière dans nos quartiers populaires, voilà un beau sujet, n'est pas tenu. Bon, c'est ainsi. Pourtant, nous avions réussi à convaincre, à reconvaincre, que la coopération avec Grenoble Habitat était le bon chemin, pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques et pour des raisons évidentes de complémentarité. C'est ainsi. Et il nous faut avancer. Lorsque le chemin est compliqué, la boussole, au fond, c'est tout simplement la démocratie. Ainsi, j'ai demandé au bureau et au conseil d'administration d'Actis de s'exprimer sur ce qu'elle voulait pour son avenir. Ainsi, à partir du moment où par fuite de notes d'exécutif, par Twitter, moi, vous savez, la pensée en 54 caractères est quelque chose au fond qui m'inquiète. Mais peu importe. Au vu de tout ce contexte, où chacun avait compris qu'on était sur un scénario bête, banal, de fusion-absorption, on était quand même bien loin de l'innovation, alors le bureau a écarté cette hypothèse, de même que le conseil d'administration qui a eu lieu hier soir et qui, quasiment à l'unanimité, a considéré que ce chemin n'était plus à imaginer, quasiment à l'unanimité, puisqu'il y a eu, je suis totalement clair, un NPPV et deux abstentions. Bon, pour autant, nous ne perdons pas notre courage et nous voyons avec intérêt les deux scénarios qui sont proposés et auxquels, bien évidemment, nous avions nous-mêmes pensé. Tout en ayant l'honnêteté, comme vous venez de le faire, Monsieur le Président, eh bien, de considérer que l'un est peut-être plus consolidé, plus mûr que l'autre. Voilà sur là où nous en sommes dans les étapes. Qu'est-ce qui se joue dans le temps qui s'ouvre devant nous ? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. D'autant plus que là, nous avons besoin d'un outil tout à fait efficace pour mettre en œuvre le PLH. Et finalement, le débat que nous venons d'avoir à l'instant l'éclaire tout à fait. Et il me semble que nous sommes dans un moment particulier, au-delà de ce qui nous occupe, institutionnellement, juridiquement. Nous sommes dans un moment particulier de la relation entre le bailleur et la métropole, puisque nous travaillons à la convention d'objectifs et de moyens. C'est donc l'occasion de travailler ensemble aux questions d'environnement de cet outil, parce qu'on pourra avoir le plus bel outil du monde. Si je n'étais pas écolo, je dirais on pourrait avoir la plus belle Rolls-Royce, mais si on n'a pas d'essence à mettre dedans, de toute façon, vraiment pas écolo, de toute façon, elle ne pourra pas avancer, cette voiture. La question de l'accès au foncier, la question... Je m'arrête, j'ai presque terminé. Pardon de considérer qu'il y a un intérêt pour les gens, parce que c'est pour eux que je suis là, pardon de considérer qu'il y a un intérêt pour les métropolitains au travers de ce sujet. Bien, donc nous sommes dans le travail autour de cette convention d'objectifs et de moyens, le conseil d'administration, le bureau d'Actis, bien sûr moi-même, attendons de trouver, au travers de cette convention d'objectifs et de moyens, bien évidemment, la réalisation et la transcription de tout ça en éléments fort concrets. Je vous remercie, moins une, de votre écoute et reste bien sûr à votre disposition. Merci. Je vois, Madame la députée, que vous avez une plus grande capacité à regarder le temps qui s'écoule pour les autres que pour vous. Donc...